Good morning, Aleid. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Chayin Orber Ben Fortuné Mazal, Rechamim Ben Rosa Chaya Batutova, ainsi que le Fouat. Raphaël, Zevulun Ben Chamalia, Miramat Hasidot, Ben Yudit, et Sarah Ben Betirikta, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Bechorot, Perek Hei, Mishnah Bet. Bet Shamay Omrim, Lo Yimane Israël, Ima Kohen, Ala Bechor, Bet Hillel Matirin, Vafilo Nochri. Bechor Shachazo Dam. אפילו הוא מת, אין מקיזין לו דם. דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, יקיז, ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום, הרי זה לא יישחט עליו. רבי שמעון אומר, יקיז, אף על פי שהוא עושה בו מום. דו סוג'ה דונות משנה, הוא קומנס לתחדור תות סוויט. בית שמאי אומרים, בית שמאי אונסניה, לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור. ליטרלמן, ישראל נפורה פה, סופר קונטה, נפורה פה, פר פרטי דן גרופ דו כהן, כיוון ספרטג'ה, אונפת הבכור. L'Oïmane Israël, il ne va pas se faire dénombrer avec eux. Ima Kohen, avec un Kohen, à la Bechor, sur un Bechor. On continue à traduire la phrase d'après, on explique tout en même temps. Bet Hillel Matirin, tandis que Bet Hillel permet une telle situation. Vafilo Nochri, et même si c'est un Goy. De quoi on parle? C'est simple, notion qu'on a déjà évoquée depuis le début de Bechorot. Le Bechor, donc le premier né mâle d'une femelle qui lui a ouvert la matrice, qui est normalement, il a une gdoucha. Il faut le laisser, à notre époque, plus Beit Hamikdash, il faut le laisser paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut, qu'on va évoquer dans la prochaine mission, on va déjà commencer à avoir quelques petits exemples plus concrets, jusqu'à qu'il va avoir un défaut qui va le rendre invalide au Beit Hamikdash, pour le remonter sur le Mispéach. Dès lors, les Kohanim pourront le consommer. Une notion qu'on a évoquée depuis le début de Maseret, que les Kohanim peuvent le consommer, le manger, et même un Israël, il pourra le manger. Il peut même le vendre à Israël. C'est l'occasion de faire du business pour le Kohen même. Il peut récupérer comme ça tous les Bechorot qui ont des défauts, et il se met à les revendre au Israël aussi. C'est son droit, il n'y a aucun problème, c'est l'argent. C'est son droit, mais d'après Beit Hillel, pas d'après Beit Shammai. D'après Beit Shammai, il y a une Gdoucha, une certaine Gdoucha, qui empêche de le consommer même à Israël, à plus forte raison à un Goy. C'est déduit ça d'un passage que le Barthes nous rapporte au Sarah Mielecha, Kachazé at Noufa, ou Keshok Ayamin. Il y a un passage dans Bamidbar, je crois que c'est Korach, logiquement, puisque c'est lui qui s'est plaint des Kohanim, donc du coup la Torah elle a répété toutes les matanotes qu'on fait aux Kohanim ou aux Lévim, dans Parashat Korach. Donc il y a marqué là-bas, au Bessara Mielecha, leur chair des Bechorot t'appartiendra, Kachazé at Noufa, comme le torse. Je n'ai pas le mot, c'est pas grave. Kechazé à Tnoufa, comme le torse de la Tnoufa, et que le choc à Yamin, ou la cuisse droite. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un korban au Beit HaMikdash, un shlamim, il faut donner le buste, ouais, de l'animal, je ne sais pas comment ça se dit. D'accord, le chazé et choc. C'est deux parts qui reviennent au Kohanim. Et la Torah nous dit, tu sais quoi, tu consommeras le Bechor une fois que... Le Bechor, il sera au même titre que... il sera pour toi tout le Bechor, il sera à toi, Kohen, comme le Chazé Vachok. Comme les deux parts qu'il faut donner lorsqu'on fait un Korban. Autant que le Chazé Vachok, il y a une Gdoucha interdit à manger par les Israël. On le dit, Amuram, Mina, Bam, Amuram, Mem, Kerisebem, Elasham, Amuram, Nechal, la Kohanim, Nishem, Levinem, Moulavdem. Ceux qui disent, le Père Gdoïzo, Mekoman, Shem, Zvachim, le matin, on avait appris dans ma Sefret Zvachim. Il y a ce qu'on prélève, il faut donner au Kohanim. C'est interdit d'être consommé par les Israël. Il y a une Gdoucha. Une Gdoucha, dans tout Korban, il y a de la Gdoucha. Que l'Israël a le droit de manger sa part, mais il n'a pas le droit de manger la part du Kohen. Et bien, au même titre, on apprend par juxtaposition que le Bechor, il a le même statut selon Beit Shammai. Beit Hillel n'est pas d'accord avec ça, parce que Beit Hillel considère, il déduit ça d'un autre pasouk, Katsevi Vechayal. Il sera pour toi comme un animal sauvage. Une chaya, tzvi, ayal, eyal plutôt. Non, parce que c'est tzvi vecha ayal. Et ma tzvi ayal, même autant qu'un tzvi ayal, tu peux me le donner, même un goy si tu veux, et bien au même titre, le bechor, tu peux le donner à un goy. D'accord? À me donner à manger un goy, s'il veut le coin, il n'y a pas de problème, il fait du business. Il vend la viande à un goy même. On continue la Mishnah avec un deuxième sujet maintenant. Bechor, bechor shachazo dam. Un Bechor qui a eu un excédent de sang. Ça, à l'époque, on soignait par la saignée. Je crois que ça s'est complètement perdu à notre époque. Je ne sais pas pourquoi, si ils ont réalisé que ça ne marchait plus, que ça n'avait jamais marché, je ne sais pas.
C'est sûr que ça marchait à l'époque, parce que Ragma le rapporte que Shmuel, il guérissait des gens comme ça, c'était un grand moumché. Donc c'est, à l'époque du Rambam encore, on faisait des saignées. Et en tout cas, la médecine moderne, elle y croit plus, je crois. Et il y avait, selon ce qu'on avait trop mangé, pas assez mangé, alors on faisait toujours des saignées. Et il y avait une situation où il y avait un excédent de sang, et ça devenait même dangereux. Il fallait vite inciser pour faire sortir tout le sang. D'accord ? Donc, Bechor Sha'achazodam, un Bechor qui a eu, je sais pas comment ça se dit, une crise de sang, il a eu trop de sang dans les... Il a fallu absolument, pression artérielle, trop forte, il a fallu inciser pour pouvoir évacuer un peu le sang. Afilugumet, même s'il est en risque de mourir, il est en train de mourir, tellement qu'il a du sang, et bien malgré tout, la première avis de la Mishnah qui Rabbi Yehuda enseigne, En makizin lodam, tu ne lui feras pas de saigner, on ne lui ouvrira pas les veines. De quoi on parle exactement, c'est quoi la raison, c'est quoi la motivation? C'est simple. Guérir un béchor, il n'y a aucun problème. Au contraire, même. Pourquoi ne pas le donner au Kohanim? Le problème, il est que quoi? Lorsque tu vas lui faire une saignée, tu risques de l'inciser dans un endroit où ça va mal se refermer, et il va devenir invalide au Beth Amikdash. On parle d'un béchor qui est encore, pour le moment, qui est apte à monter sur le misber. On attend patiemment qu'il va avoir son défaut. Maintenant, on a appris qu'on n'a pas le droit de lui provoquer ce défaut qui va l'invalider pour le misber. Ouais, on n'a pas le droit de lui inciser, on attendra l'oreille, la lèvre, différentes choses qui font que le corban n'est plus parfait, donc on ne peut plus le monter sur le misber. On n'a pas le droit de lui faire activement. Selon ce principe, par crainte que si on va te permettre de lui faire une saignée, même de manière permise, dans un endroit où ça se referme, il n'y a pas de problème, ça ne laisse pas de traces, et du coup, on craint que tu vas le faire dans un endroit où ça va mieux, ça va oui se voir, et on préfère pas ne commencer, on préfère ne pas te permettre du tout. On t'interdit formellement. D'accord ? C'est la vie de Rabbi Yehuda. Tandis que, Bachachamim ou Amriz, non, Yakiz, laisse-le faire la saignée, ou Bilvad Shalonyasebomum, on te permet de faire la saignée, mais à condition que tu te maintiens, que tu fasses attention de le faire dans un endroit où il ne va pas y avoir de défaut. Et si ensuite, Veimasabomum, mais si, du coup, il a commencé à la saigner, il s'est un petit peu trop emballé, il a dit, ah non, il faut que je fasse aussi ici, il a incisé d'un autre côté, et puis là-bas, il a fait le moum. Et bien dans ce cas-là, résolue Shachet Alav. On ne te permettra pas de le manger à partir de ce défaut. Il faudra attendre un prochain défaut. Ouais, de peur que du coup, ça va prendre des proportions normales. On a ici une discussion très intéressante. C'est-à-dire, selon les deux avis, on est confronté à un même problème que ça, le Bartholomew, il explique. On est confronté au même problème. On craint que dans le mouvement, dans le feu de l'action, il va inciser le Bechor. Sur ça, Bioda, il te dit, ben, tu commences pas et tu laisses le Bechor mourir. Les Rami vont dire, non, ça va être pire. Si on va te dire de laisser le Bechor mourir, c'est sûr que tu vas lui faire un défaut. Tu vas pas pouvoir te retenir, tu risques d'aller faire quelque chose de plus grave. Dans ce cas-là, on préfère nous te limiter, on te dit, tu sais quoi, vas-y, viens, fais-le stérilement, proprement, tu incises là où il faut, et comme ça, au moins, on a de bonnes chances que tu vas pas faire plus que ce qu'il fallait. Et si au pire il y a eu le défaut, ben, on te permettra pas de le manger, comme ça, on t'a barricadé que tu vas pas commencer à vouloir entrer là, te permettre des choses qui étaient interdites. Et Rabbi Shimon, le troisième avis, Rabbi Shimon Omer Yakiz, Rabbi Shimon te dit, fais ce qu'il faut, ne laisse pas le Bechor mourir, c'est ta priorité première, et même si ça se trouve dans un membre, le seul moyen de le faire, c'est que ça va le rendre invalide, mais sinon, le Bechor, il va mourir, et bien on te permet de lui faire la Kaza, et même la Kaza, de lui faire la saignée. Ve'afalpi, Shehu, Ose, Bomu, mais même si à cause de ça, il va lui faire un défaut, et que le partenaire est précise, et qu'après tu peux même le manger aussi, parce que maintenant il y a un défaut. Toi, t'es pas fautif, c'était nécessaire de le faire, t'as fonctionné selon les règles de l'art, t'as fait comme il fallait, comme la Torah te l'impose, après il y a un défaut, ben, l'Evriout va manger, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, à la fin, comme Rabbi Shimon. Ça va partenaire, c'est tout pour aujourd'hui, je suis sur une plaine de la Safra Kaloto, c'est là.